Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Coran compte 114 sourates et le mot Coran est répété 68 fois dans le Coran. Le mot Coran commence par la lettre Qaf. Ici, l'on compte le nombre de la lettre Qaf depuis le début du Coran. Alors, le 114e Qaf se trouve dans le verset 68 de Surat Al-Baqarah. Regardez bien les deux nombres. Le verset 68 de Surat Al-Baqarah est le suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ce verset compte 23 mots et 23 est aussi le nombre d'années de la révélation. Ce verset utilise 17 lettres de l'alphabet et la lettre Qaf s'y répète 4 fois. Si on fait l'opération suivante, 17 fois 4, on trouve 68. 68 est le numéro de verset et le nombre de citations du mot Coran dans le Coran. Subhanallah. Les 17 lettres utilisées dans le verset sont Alif, Ba, Ta, Dal, Dal, Ra, Dad, Ain, Fa, Qaf, Kaf, Al-Lam, Al-Mim, Al-Nun, Al-Ha, Al-Waw, Wal-Ya. Si on fait la somme des ordres alphabétiques de ces lettres, on trouve 282. Et 282 est le nombre de répétitions du nom Allah dans Sourate Al-Baqarah. Et 282 est égal à 47 fois 6. 47 est le nombre de lettres dans Sourate Al-Ikhlas et aussi le numéro de Sourate Muhammad. Et Allah est celui qui a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.